Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Talwar dans lequel nous jouons l'Égypte. Alors la dernière fois on s'était laissé sur une agression romaine, je crois. Et la défense, ouais, c'est ça, de Parétonion. Alors, oups, je fais n'importe quoi. On va développer Sirène, donc ouais, une bibliothèque, ça c'est très bien. Et on est comment niveau dans le public? On est pas mal. Auberge de voyageurs, ça serait pas mal aussi. Voilà, comme ça on a tout ce qu'il faut en nourriture, c'est parfait. Eux, du coup, je vais les emmener à Parétonion, vu que je vois qu'ils aiment bien. Qu'ils aiment bien venir là, hein? Voilà, ici, même principe. Alexandria peut très très bien se défendre elle-même pour l'instant. Surtout qu'il n'y a pas de risque ce tour. Qu'est-ce? Il y a moins d'armée, moi ici? Ah ouais? Ah oui, c'était pour Nabatée. Ça me revient. D'ailleurs, en parlant de Nabatée, oui, c'est ça, ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça. Voilà. J'avais oublié, ils étaient perdus dans l'océan. J'ai vraiment monté un niveau, ça? Ah oui. Plus 3 d'autorité accompagne le général. Oui! Ah, j'adore. Et j'avais prévu, me semble, d'attaquer les Parthes. Excusez-moi. Les Parthes ou Rome? Et c'est vrai que Pompée m'avait déclaré la guerre, ce couillon. Ah, ce débilus Pompée. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il veut faire. Il est perdu. Ouais, direction Memphis. Bibliothèque pour faire la grande bibliothèque d'Alexandrie. Une petite mégalopole, ça fait toujours plaisir. Quand on rentre cavalerie, lui aussi, il va pouvoir recruter des unités assez haut niveau. Là, déjà, rien que les unités d'infanterie. Rang 5. C'est pas mal. Hein. Allez, embêtant le coup, lui. Hop, pile entre les deux, comme ça on a la vision sur Palmyre et Dura. La vraie question, c'est où est-ce qu'il est allé se foutre, lui? Pas très très loin, le tour d'après ça devrait être pas mal. Putain, je m'en sens bien avec lui, hein. Mais bon, ça trapie. Donc je m'entends bien avec lui, mais pas longtemps. Quand la partie va me déclarer la guerre, il va être en mode non. Ah. Ok. Ah, c'est déjà pas mal ça. Oh! Et en défensif qui passe. Veuillez accepter ma simple. Ah. L'amitié ne se résume pas à une série de mots. Elle se traduit en actes. L'amitié ne se résume pas à une série de mots. Ah, ça va pas passer, hein.
te passe. Et les guideries, ce serait bien aussi si. Ok. Zut. C'est pas grave. Ça fait déjà quelques alliés défensifs. En cas de guerre, tu es plutôt PPR. Alexios, c'est l'enfant de qui ça? Aucune idée. C'est l'enfant de personne. Ah si, il est là. Vache, il a déjà 4 enfants. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal du tout. Ah! Faut vraiment que j'aille le chercher là-bas. Ah, mais regardez-moi ce couillon aussi qui s'est foutu là-bas. Quand j'y vais, moi? Ah oui, tiens, d'ailleurs. Totalement zappé, lui. Dissoudre. Tout ça à cause de Pompée. Hein. Ah là là. Un développement lycée et poissonnier. Province de Petra aussi qu'il faudra développer. D'ailleurs, c'est quoi là que je vais développer en techno? Ah oui, comme mercenaire. Neo Sokoi. Déjà. Architecte naval épique. Ça me tue. Alors, en parlant de comment ils sont. Très royaume des docks. Ouais. On s'entend bien avec eux, hein. Ça c'est déjà pas mal. Même les Romains. Les Romains ils m'aiment pas. C'est pas ma faute. Mais. En plus, je leur ai rien fait. Je leur ai vraiment rien fait pour une fois. Enfin, si, à Antoine. Mais bon, Antoine, il est déjà sur le déclin. Je crois qu'il a plus qu'une ou deux villes. Ça, c'est pas. C'est pas très très grave en soi. Oh, les Pompées. Je lui ai absolument rien fait. Et il m'a déclaré la guerre, comme ça, gratuitement. Quoi? D'ailleurs, on va faire ça. Non, c'était pas ça. C'était ça. Ok, elle est bien développée. Elle est bien développée. Elle est bien développée. Un autre petit lycée ici. Là, on peut pas. T'as niveau bouffe, je suis à 116 de bouffe. C'est juste énorme. Bon, là, par contre, il va falloir aller le chercher, lui. Ouais, au bout d'un moment, c'est chiant. Qui se balade comme ça chez les autres. Ah, je peux pas aller chercher, j'ai plus de. Je peux plus lever d'armée. Par contre, si j'ai pas de piqué. Enfin, j'en ai une unité, quoi. On va verser les deux. Ouais, on va verser les deux armées. Ah, il a pris un niveau. Ah, ça c'est beau ça. Plus 130 d'XP aux unités par toi. D'expérience aux unités par toi. Putain. Regardez-moi ces frondeurs, ils en peuvent plus. Ah, d'ailleurs, je viens de capter. Rien pour recruter les. Rien pour recruter les unités ici. Bon. Alors on va changer les plans. On va un peu changer mes plans.
qu'on va faire, c'est que. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire uniquement du recrutement d'unités à Jérusalem. Donc avec la caserne de Los Sideros, les périphéries et les balistes. Qu'on annule. Hop. Hop. Putain, oui, c'est vrai qu'il est toujours en vie, lui. Ah ouais, j'en perds, là. Ah ouais, je suis en plein dedans. J'ai pas le choix, de toute façon. Stouquer les Artibus. On va recruter un autre, au cas où, quand même. Au cas où ça se passe mal. Là, aller tuer une flotte là qui est comme ça, sérieusement. Ah putain, il se barre en plus, quoi. Sérieusement. Ah. Comment ça, la route est bloquée? Oh, un lycée, c'est bien un lycée. D'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout? Ah oui, j'ai besoin de tout ce moral, tout ce bonheur. Ça... Développons. Ah bah développons plus. Ça coûte cher. Ah je suis. Ah bah zut alors. Ça coûte plus cher que prévu. Allons le poursuivre, lui commence à me saouler un peu. Même beaucoup. Ah, il y a deux unités à poursuivre là. Et c'est embêtant les unités à poursuivre. Il suffit qu'ils se mettent en marche forcée et jamais tu peux les rattraper quoi. Et alors ça, c'est chiant. C'est chiant. Peut-être tu poursuis des unités là. Ça fait 50 ans que tu les poursuis. Une game. 50 ans qui est court. Hein. Elles arrêtent pas de courir, hein. Ça fait 50 ans, ça court. Le mec, imaginons, il a rejoint la Légion, il avait 16 ans. Il a 66 ans, le gars. Il court encore. Ah, puis il est endurant en plus, le salaud. Ah, mais c'est. Ouais, mais là, c'est pareil, là. Je sais pas quoi. Sans. Bah ouais, en plus il se barre à l'opposé du monde quoi. Ta, regardez-moi ça. Impossible à finir cette merde. Pas vrai. Ah oh oui, purée, il faut vraiment que je pense à faire ça, sinon. Il va y avoir des bas quartiers, c'est pas cool. Ouais, Jérusalem, une ville très militarisée. CRP. Non. Ah, c'est bon, je devrais l'avoir. Avec cette armée-là. Non, parce que c'est pas que c'est chiant au bout d'un moment, mais. J'ai pas que ça à foutre de. Quoi? Épuisé par l'usure? Ah bah oui, mais c'est mon amiral! Voilà, allez, ça c'est fait. Oh là là, non mais. Ouais, non, c'était l'autre Cléopâtre, t'es pas là. Ah, c'est une honte. Ce jeu. Pour certaines choses là, il a besoin d'amélioration. Allez, sac. Regardez, parce que du coup ma flotte là, épuisée par l'usure, eh ben elle s'est dissoute. Mais elle n'a batté, il n'y a aucun problème, il n'est pas dissous lui. Hein. Ah si. Ah bah j'ai dit de la merde.
Ça y est, du coup, il... Ah bah purée. Eh, ça aurait été compliqué quand même, hein, perdre une flotte pour ça. C'est... Hein? Allez, on retourne en Égypte. Ah, on a besoin de bois. De bois. C'est une bonne question. Où est-ce qu'il y a du bois? Il me semble qu'il y a du bois, mais par là-bas. Ça fait loin. Il n'y a pas de bois. Il y a du bois aussi un peu plus loin par là-bas. Là. Ça fait loin. C'est... Ah, peut-être par là. Ou à Ponte. Bon, et soignons-nous. La Bienvenue mon diplomatie. ami, bienvenue. Au nom de Moïse. Ok, ça c'est déjà pas Je mal. suis venu en supplice. Défensif, il veut pas. Vos dieux ne vous ont pas béni. On a en défensive, défensive, on est en alliance. Non. On n'est Veuillez pas en alliance accepter défensive mon avec lui. humble Oh! audience. Vraiment mon bon et noble ami. Oh, lui, il était chaud, hein. Il était chaud de ouf. C'est cool. Au nom de mon Seigneur, soyez le bienvenu. Lui, il veut pas, hein. Vos dieux ne vous ont pas béni d'un Ouais, il a pas beaucoup divin d'argent, esprit ça va de le... paix. Merde. Il a pas beaucoup d'argent, 900, ça va le motiver, ça. Ouais, c'est le motif d'où. J'y suis La corruption! Voilà, on recrute nos dernières unités. Truc, c'est que j'aimerais bien que lui il me déclare la guerre et pas l'inverse. Comme ça, j'aurai tous mes alliés qui rentreront en guerre avec lui. Ouh, j'ai mieux. Qu'est-ce que je peux faire? On va recruter. Il me semble que ça appartient à Pompée. Parfait. Bah, tout simplement, elle, je l'envoie. Avec la flotte? La flotte, je l'envoie. À Akia. Akaya. Et ça me fait une base avancée en plein. Bah, très proche de l'ennemi, en fait. Donc ça me fait une grosse base défensive. Une sorte, c'est une sorte de forteresse avancée. Ça, en vrai, c'est pas mal. Je suis vraiment désolé, j'ai une dépris là, je sais pas ce qu'il y a eu. Ah merde, je lui ai donné un rang. Oups. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. 14 ans, purée. Déjà, elle peut servir de général, quoi. Comme Ptolémée Césarion. Voilà, Ptolémée Césarion, c'est bien ça. Oh la vache. Si, il a un bon niveau. Elle a quel âge? 35 ans, je peux la développer, c'est bien. Enfin, lui donner un rang. Hop, et j'ai pas assez d'argent, c'est ça, pour faire de l'éducation. L'éducation commence à vaciller, hein. Tiens, ça rappelle quelque chose. Ah! On envoie une flotte là-bas, une flotte d'Antoine. Oh, il y a deux fois rien. Allez, marche forcée, enfin rame forcée. Cadence rapide. Rame forcée. Purée.
Oh, j'en loupe pas une. Et ce... Ok. Bah bonjour à toi. Voilà. On va pouvoir continuer le développement là de les promotions. Ça coûte cher. Ça coûte cher et il va commencer à pas très très bien me voir là à force de donner des rangs. Ah oui, c'est toujours plus de stats à mon général. Moins que beau parleur. En vrai, c'est bien beau parleur. Oh, ça c'est bien aussi. Ça c'est bien parce que beaucoup beaucoup de prisonniers. En même temps, c'est pas bien. Non, beau parleur, c'est bien. On se fera bien voir par les autres. C'est pas possible. J'ai une usine de production dans le nez. Je sais pas ce qu'il fout de Kidri. Ils sont perdus. J'aurais donné l'accès l'accès chez moi, ils sont en mode ah, oh, trop bien! Éducation et progrès. Ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est qu'un petit peu d'éducation dans tous les jeux ou progrès, savoir, techno. Et tu prends une avance, mais voilà. Ok. Je crois que c'est camp d'entraînement que j'ai pas. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Après, du biotech, c'est très très bien. Je pourrais même monter une deuxième flotte. C'est ce que je vais faire. Voilà, au cas où. Ah, ça devrait être pas mal déjà comme début. Hein. Kidri, je sais pas ce qu'ils foutent là avec ça, avec des une armée comme ça en plus. Ça paraît rien. Elle est même pas forte en fait en armée. C'est du lancier pélo, c'est du pélo de rang 1. Alors, acculturation, syncrétisme. Hop. On se met en cadence normale. Le prochain tour. On peut pas le. Ah voilà. Allez, et c'est parti. Archinubien, oui, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Que là, actuellement je suppose il y a des archers égyptiens 41. Ah oui, mais oui, parce qu'ils sont au rang. Je suis en train de me dire, mais c'est énorme. Les toléophores, ils ont moins de dégâts. Non, ah ouais, ah, je suis choqué. Ah, je pensais que les toilettes au follow y aurait plus de dégâts au corps à corps. À distance. Ah, moi que j'ai regardé les dégâts au corps à corps. Non. Oh, je sais plus. Brave du roi. Monter un niveau. C'est un bon brave. Expert en siège, bah ouais. Tu vois? C'est le gars, quand il s'assoit, il sait exactement sur quoi il est assis. Putain. Bon, j'arrête de dire de la merde.
Par contre, honnêtement, là, tout ça en perte? Ah, ça va, tranquille. Bon. Bah, c'est parti, on va mener la bataille sur le champ. Hein. Ah, faut pas abuser non plus toutes les pertes, là. Du brouillard. Alors, la ville elle est là. Tac. Tac. Voilà. Commence. Je vais mettre sur deux lignes, hein. Double ligne, c'est bien. Hop, on met sur du double ligne, on avance tranquillou. Je vais savoir mes renforts viennent d'où. Hein? Ah, ils viennent de là. Ok, j'ai juste ma cavalerie et les éléphants, voilà, qui viennent à pied. Allez, faites volonté, les gars. Pas trop non plus. Ah, s'ils veulent bien faire des. S'ils veulent bien attaquer. Bon, ok, ça a l'air. Ça a l'air de commencer à toucher un peu là. Ça touchote, comme on dit. Enfin, ça touchote, ça touche, mais. Ah non! Putain, il va arriver au corps à corps. Fiché. Allez, on tire! Bon, c'est quand tu veux, toi, que tu recules et D'accord, non, mais il a pas voulu. Ah oui, puis je me fais attaquer par mes propres unités en plus. Hein. Allez! Bon, c'est chiant. Ah, les batailles navales là, comme ça, c'est casse-couille. Ouais, regardez, ils ont eu le temps de tous débarquer, du coup, là. Ah, c'est chiant. Bon, c'est chiant, ça me saoule déjà. Je perds mon navire comme ça, là. Mon général, tu as donné la vision. Hein? Qu'est-ce qu'ils sont partis foutre là-bas? Ah, deux navires! Ah bah oui, un deuxième aussi. Ah non, c'est le mien ça. Ah bah si. Ah bah si, je perds des navires par le feu. Mais pourquoi? Attends, mais... Mais d'où ils brûlent? Ils avaient rien pour foutre le feu? C'est quoi cette blague? D'accord, eux aussi ils ont de l'espoir. Allez, foutez-vous comme ça les gars. Sinon je veux aller sur... Putain, c'est chiant aussi. Et vu que t'as une vue limitée, t'es obligé de te barrer en fait avec... Bah écoutez, quittez votre ville, hein, moi y a pas de souci. Regardez. Là je vais pas bouger l'écran. Je vais pas bouger la souris. Hop, oh! Et oui, j'ai distance. Rendu distance limitée. Du coup, je vais dans le baba. Par contre, les éléphants. Vous savez que vous êtes plus lent que des gars à pied là. Alors que vous êtes en train de courir. Après, moi je dis ça, je dis rien.
Allez, on retourne sur la ville. Voilà, comme ça. Regardez-moi cet éléphant. C'est une tortue, ouais. Allez, hop. Hop là. Prends-moi la zone. Toi, tu restes là. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'ils voient des éléphants et ils sont en fond dessus. Sinon ça fait feu là-bas? Ou non, ça se touche? Ouais, ça se touche. On va prendre 2-3 là et on va leur dire allez, venez là. Viendez ma bande. On s'amuse bien. Ils sont perdus aussi. Agrippa. Ah, c'est Agrippa. C'est bon, ça fait des dégâts. Oui, non, ouais. Pas ouf, hein. Attaquer manuellement là parce que allez les vigiles voilà maintenez quelques bonnes pertes. Je sais pas où aller. Et mes unités ne savent pas viser, mais lui il sait pas où aller. Ah oh ouais, dans la plèbe. Ça en fait, c'est. Ce sont les prémices de l'invention du bowling. Oh! Ça a vraiment touché Carbon. Défonce-moi ces vigilesses là. Ils savent pas trop viser les vigilesses. Hein. Pas leur dire de viser un point fixe. Sinon vous savez que vous allez pas prendre de points avec. Enfin vous allez pas. Vous allez perdre en faisant comme ça. Hein. Ah, ils savent pas viser, je crois qu'il y en a même un qui a fait 0, deux qui ont fait 0. Deux qui savent pas tirer du tout, ils y arrivent pas. Ah, ces deux-là, ouais. Je sais pas ce qu'ils ont, mais. Ah voilà! Ouais, il faut monter là, le gars. Oh, qui c'est qui tire pas là? C'est lui là? Venir à bout de ce général là. Venir à bout de Agrippa. En tout cas, c'est des maisons qui sont très costauds. Voilà, on en tue quelques-uns de ci, de là, c'est pas. T'imagines en vrai t'as un général qui te fait ça. Ouais, bougez, bougez. Un jour ils auront plus de munitions. Ouais, mais monsieur, il y a 8 ans quand même. Oh, foutre.
bouger. Elle est dans les levesses là. Il s'approche un peu trop pour à mon goût. Ouais, il s'approche beaucoup trop à mon goût lui. Tu sais quoi? Hop, il va se prendre une charge. Pardon, il va pas se prendre de charge parce que tout simplement, bah. Même cavalerie, c'est de la merde, ils savent pas avancer quoi. Ah, sérieusement, regardez, ils savent pas avancer, ils sont perdus. Ils sont en mode, ah, si ça tourne! Ça tourne, je suis pas bien. Il revient lui. Tu sais quoi? Avance-toi un peu là. Tu vas voir. Avance-toi, voilà, voilà. Allez, va voir hier si j'y suis. Très bien. Ils sont confiants, ils ont perdu la moitié de leur armée, mais ils sont confiants. Plus de la moitié, hein, si on compte l'amiral. Bon. Écoute. On va envoyer les éléphants, hein. Il a perdu la vue pendant un demi millième de seconde là. C'est bon. Ah bah purée. Putain, j'ai vraiment perdu 122 unités. Parce que pourquoi? Bah, c'est deux vires qui prennent feu. Je me demande pas pourquoi ils ont pris feu. Parce que je ne saurais pas te dire. Très honnêtement. Je suis incapable de te dire pourquoi ils ont pris feu. Ça n'a pour moi aucun sens, tout simplement. Je sais pas, il y a un mec qui a fait un feu de joie à bord, il s'est dit ah, trop bien, on a gagné. Donc non. Il va y avoir un truc comme ça, il sera puni. Oui, il sera puni. Voilà. On prend Gortina et on va sûrement aller prendre Athènes. Histoire de bien l'embêter comme il faut. Voilà, il faut juste que je refasse un peu ma flotte du coup. Et ici on en fait un point militaire. Ah. Imperium de rang 2, ouais. Hop, ce sera en Éthiopie. Ouais, toi dans position. Ok. Ok, c'est très bien ça. Ouais, je vais juste passer un tour. Voilà, histoire d'aller recruter ma nouvelle flotte, enfin de recruter trois nouveaux navires, hein. Voilà, heureusement le trajet est pas très très long. C'est bon, on est arrivé. Et ici terre consacrée et terrain d'incorporation. Il devrait faire totalement le café. Ah oui, mais... Allez, on... Promotion, ouais, promotion, là, c'est pas le moment. On va faire de l'éducation. Voilà, j'ai envoyé trois gamins à l'éducation. Et on est pas mal.
Allez. Bah sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a commencé à prendre pied en Akia. Et on prendra encore plus pied en Akia avec Athènes au tour prochain. Enfin, l'épisode prochain. Voilà, donc sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je serai ravi de vous retrouver demain pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao!